Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Et puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai tellement perdu l'habitude, mais en vrai, ça fait genre, ok. Quoi ? Ok, ouais, d'accord. Pourquoi pas l'antivirus ? Bref, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, en fait. J'ai l'impression que ça fait une éternité, alors que ça fait quoi ? Peut-être 2 semaines, pas plus ? Que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression que c'est tout nouveau pour moi, donc excusez-moi si je suis un petit peu stressée dans cette vidéo, j'ai tellement perdu l'habitude. Enfin bref, je me suis dit que vu que j'étais absente pendant un certain temps, que j'ai pas encore annoncé mon comeback, mon retour, j'ai décidé de faire un petit prank, you know. En fait, je vais me connecter sur mon compte et je vais faire genre, je me suis fait pirater. Alors je vais essayer de jouer ça quand même assez subtilement, parce que je me suis dit que bon, si je me connecte... et que je fais genre je me suis fait pirater, je vais encore me faire bannir par Movistar Planet, donc je vais être subtil sur ce coup là, mais vous allez voir. Bon, première étape, forcément on se connecte sur le compte. Voilà, la deuxième étape, je pense que vous la connaissez, pour la plupart, hein, parce que vous êtes quand même pas mal à le faire. Oula, c'est... Ouh, mon dieu. Quoi? Tu n'as pas respecté le règlement utilisant des mots pouvant rendre les autres inconfortables ou les blesser. Bah écoutez, j'ai pas été connectée, ça fait 2 semaines que je me suis pas connectée, que j'ai rien dit, mais bon, pas grave, d'accord, pourquoi pas, Movistar Planet, on a l'habitude. On a l'abritude avec vous, hein. Mais ça, c'est le thème de Madame Toilette, là. Attendez, wait, attendez, en plus j'ai vu, ouf, oh mon dieu, c'est trop beau. Oh, c'est trop joli. Oh non, il me faut ce pack juste pour lui, là. Oh là là, il me le faut, genre, trop en vrai. Mais bon, c'est la Hesse, c'est la Hesse. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, on va aller voir le fond. Bah oui, c'est des toilettes. Oh mon dieu, Madame Toilette, elle va être tellement contente. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Madame Toilette qui est dans la description. Vous avez juste à cliquer dans la description sur la chaîne de Madame Toilette et aller voir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous abonner si ça vous plaît pas, mais au moins allez voir. Voilà, Madame Toilette, c'est ma cousine, hein. Hein, toi-même, tu sais. Et elle a sa propre chaîne YouTube sur le thème des MSP, voilà. Et c'est exactement... Oh mon dieu, elle va être tellement contente. Bref, je lui dirai, et si elle n'a pas remarqué déjà, hein. Et du coup, comme je disais, la deuxième étape, eh bien, c'est tout simplement de se relooker en mode je me fais pirater, bonjour, bonjour, merci, au revoir. Donc pour cela, bah, on va, je pense, utiliser des vêtements que j'ai déjà, parce que je pense que je dois avoir des choses qui sont... susceptible de faire un look chelou, donc pas besoin de racheter, hein. Donc déjà on va aller dans la clinique, à un moment donné je m'étais déjà amusée à faire un look un peu dégueu, donc on va juste reprendre ce look un petit peu dégueu, donc je pense que ouais, c'était ça, j'avais mis ça, hein. On va pas chercher plus loin, j'avais mis ça, j'avais mis quoi, bah le nez, bah il y en a aucun qui est moche en soi, mais bon, on va mettre celui-là pour faire un effet chelou, parce que ça va pas du tout avec le reste, et pour la bouche, je crois que j'avais mis ça, oui j'avais mis ça, bon, en plus j'adore en fait c'est pas moche en soi, parce que bon, moi j'adore les appareils dentaires, j'avais déjà dit plein de fois en live que quand j'étais petite je voulais avoir un appareil dentaire, je trouvais ça trop stylé, mais ça c'est parce que j'arrêtais pas de regarder des séries à l'américaine, et en Amérique les ados elles ont toutes des appareils dentaires, moi je kiffais ça, bref, je suis chelou, hein. Et là t'as toutes les personnes qui ont des appareils dentaires dans les commentaires qui vont me dire mais non mais c'est trop nul l'appareil dentaire, qu'est-ce que tu racontes. Enfin bref, on va valider ça dans la clinique beauty, donc c'est déjà pas mal. Et maintenant la tenue vestimentaire, ou quoique en ange ça fait chelou aussi, mais ange démon, mais on peut mieux faire, donc on va tout enlever. On va tout enlever, pour l'instant j'ai rien dit dans mon que fais-tu, je suis même pas encore allée voir mes messages. Mais on va regarder ça ensemble. Alors pour un look, bon en soi, bon on va prendre un truc au hasard, mais qui est pas très très voilà. Hein, en soi, je pense que j'ai pas, enfin si, je dois avoir des certaines choses de Madame Toilette, etc. Mais je pense que en soi, c'est plutôt faire une tenue qui va pas les uns avec les autres. Donc par exemple prendre ça, mettre avec un truc qui va pas du tout en bas, mettre des cheveux en pétard, enfin mettre des trucs qui vont pas bien ensemble. Parce que bon, je vais pas racheter des trucs moches juste pour ça. Alors que on pourrait très bien trouver ce qu'il nous faut dans mes affaires déjà.
J'essaie juste de trouver des choses qui pourraient le faire pour l'instant. Je vois. J'ai que des trop beaux trucs. Bah, vous m'envoyez que des trop beaux trucs. Donc, c'est compliqué après de trouver. Hein. Mais on va trouver. On va trouver, je n'en doute pas. Bah, tiens, on va mettre ça. Ça peut le faire, mais il faut qu'on trouve des trucs qui... Bah, je pense qu'au niveau accessoires, on va bien s'amuser. Si je mets ça, ça va en dessous. Ouais, ça va en dessous, ça fait un peu chelou, mais je pense qu'on peut faire pire. Je pense que l'on peut faire pire. Genre ça, c'est chelou, non? C'est chelou, ah ouais. Ce pantalon. On peut faire pire. On peut encore faire pire. Bon, de toute façon, il y a toujours moyen de faire pire. Hein. On va pas chercher le pire du pire. Parce que sinon, ça prendrait 3 plombes à faire cette vidéo. Mais... Ouais, non, ça c'est. En fait, ça fait trop beau le haut là avec ça. Ça fait trop beau, je peux pas mettre ça. Ouais, on va pas chercher midi à 16h30 du matin. On va mettre ça. On va mettre des chaussures. Pourquoi pas. Tiens, ça. Ouais, c'est chelou, hein. Ah ouais. En vrai, ces chaussures là, je les aime pas trop. Je sais que c'est des chaussures de Pâques, mais je suis pas fan. Ah, il est trop beau ce collier. Mais non, faut pas faire un truc beau. Bah, tiens, on va mettre la couronne de fleurs autour du cou. Le sac tortue. Ce chapeau là, ces lunettes là, non des cornes tiens, et on lui met pas de cheveux, on lui laisse les cornes, mais pas de cheveux. Oh bah t'as des cornes mais t'as pas de cheveux, bah ouais. Voilà, là je trouve c'est parfait, je pense que là niveau look, on est plutôt pas mal, on tient le truc. Ok, si on avait des cheveux de clown, mais bon le temps que je trouve dans tous mes cheveux les cheveux de clown... C'est un peu dead, surtout que j'avais quand même fait pas mal de... Ah, merci. J'avais fait quand même pas mal de tri au niveau des cheveux, donc je me suis un peu débarrassée de tout ce qui était un peu chelou. Et merci à toi, Little Mae, merci beaucoup à toi pour la salutation. Je te fais un très gros bisou, merci beaucoup. Je te fais un très très gros bisou, merci, merci. Et bah du coup, écoutez, c'est parti. Alors, pour rester subtil, on va écrire un message dans le que fais-tu qui n'insinue pas directement que je me fais pirater, mais qui ferait penser à croire que je suis en train de me faire pirater. Ha ha ha, quel joli compte j'ai là. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ça se fait en fait, il n'y a plus personne qui me calcule, hein. Je suis partie pendant une semaine, ça se fait, il y a tout le monde qui me parle plus, qu'il y ait personne, tout le monde va s'en foutre de mon compte qui est en train de se faire pirater. Ah, quel joli compte j'ai là. Qu'est-ce que je pourrais marquer? D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous auriez marqué dans le que fais-tu si vous auriez été à ma place, parce que comme ça, après, ça pourrait me donner des idées. Quel joli compte j'ai là. Il y a plein de diamants. Ah oui, bah tiens, je sais ce qu'on va faire. On va mettre plein de petits... c'est dans les smileys, voilà, de petits diables. Ah, donc c'est l'idée, on va faire ça. Voilà. Ok, j'arrête. Mais on va commencer à regarder un petit peu les messages et on va voir ce que ça donne. Bon, je pense que je suis assez nulle là-dedans parce que bon, ah là là, qui me répond MDR Quinzel, t'es cramé. Ah non, sérieux. Salut la Quinzel, moi Quinzel, petit prank à ses abos. Ah non. Mais en plus, comme je l'ai dit au début des vidéos, je suis partie pendant X temps, en fait, pendant presque 2 semaines. J'ai pas été du tout active, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur mon compte MSP. D'ailleurs, je me suis pas du tout connectée sur mon compte MSP. Et pour les gens qui diraient, mais oui, je t'ai vu connecté, c'est sûrement Lalo qui était connecté dessus, mais pas moi. Mais ouais, ces dernières 2 semaines, je ne suis pas connecté sur mon compte, donc je pensais que ça allait être crédible. Merde. Bon, ça a marché au moins pour une personne. Hein. Merci Joyce, Quinzel, rends-lui son coute tout de suite, pitié, ou je délétais. Oh, ma Joyce. Ah, ça me fait mal au cœur. On va lui envoyer un petit... Ah non, mince, j'en ai déjà envoyé un. Ah, bref, je reverrai après, mais ou je délétais, rends-lui ses VP. Ah, ah. Ha 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 ha. Ok, ça me fait mal au cœur, mais bon, on va essayer de... Voilà, très beau look, Quinzel. Le problème, c'est que je suis un peu bloquée parce que je peux pas dire directement que j'ai piraté le compte parce que j'ai peur qu'après Movistar Planet, hein, comme on a vu, encore une fois, je me mange un avertissement, hein, ça tourne mal, je me fais bloquer et je me fais bannir suite à un prank, tu vois, je veux pas que ça arrive jusque-là, donc... En fait, il faut que je sois subtile et puis voilà. Tu peux pas faire ça. Rends-lui pitié. Tu peux pas faire ça. Je fais mes
Elle a plein de diamants. En plus, j'écris mal. Mais j'écris mal, c'est terrible. Oh, j'ai vraiment eu peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, là, vous voyez déjà d'où tu pirates 15 ailes. Cette fille est gentille, généreuse. Et toi, tu pirates des gens. Sérieux, ça se fait pas. Touche même pas à ces diamants. Je te préviens tout de suite. Tu veux que quoi en échange pour que tu la laisses tranquille à payer sur ces gens? Ça se fait pas. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Pop Vie. Franchement, elle est super sympa. Mais. Tu me salues dans ton compte principal. Ah, je pense qu'elle parle à la pirateuse. Ah, oh mon dieu, mais elle est trop gentille, parce qu'en fait, mince, maintenant je peux plus vous le montrer, mais en fait, avant ici, il y avait juste le début de la phrase écrit à gauche, il y avait marqué « Tu veux quoi en échange pour que tu l'as ?» Et il n'y avait pas, en fait, la suite écrit à gauche, et je pensais que c'était pour l'échange de mon compte. En fait, je me suis dit « Oh non, tristesse !» Ah, oh, c'est trop... Oh non. Attends, on va lui envoyer ça. Parce que je veux pas qu'elle envoie salutation ou quoi, hein, mais franchement, elle est trop sympa. Elle voulait sauver mon compte, merci beaucoup. Ok, encore cramé, coucou YouTube, sûrement, avec le petit point d'interrogation, j'espère. Oui, c'est pas un prank, rends-lui son compte, c'est ma youtubeuse préférée avec Frenchiska. Oh. Coucou Frenchiska d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, coucou, bonjour. Et, oh, c'est, oh. on va faire encore les petits diables. Je suis désolée, hein, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas d'imagination, c'est juste que je veux pas dire directement que j'ai piraté mon propre compte, quoi. Enfin, piraté un compte tout court, parce qu'après, je vais me faire taper sur les doigts. Kaza, je sais que tu as travaillé dur pour cette vidéo, mais là, t'es cramé. Passage, coucou YouTube, oh. Bon, il y a quand même quelques personnes qui sont tombées dans le panneau. Donc, bon, la vidéo sera pas pour rien, mais je trouve ça rigolo. Je trouve ça quand même assez rigolo de me faire cramer directement. Mais pourquoi y a les autres youtubeurs, quand ils font ça, parce que oui, les autres youtubeurs, ils l'ont fait, hein, et ben ils sont pas aussi cramés que moi. Pourquoi moi, je suis cramée? Pourquoi je suis cramée, hein? On m'explique, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi les gens me croient pas? Et là, je tombe sur un message qui me fend le cœur. C'est non, la pirage passe, s'il te plaît, je lui ai jamais parlé encore. Oh non, mais je suis horrible. Et du coup, là, je suis remontée. En fait, tous les mois, je suis Superstar un mois, logique MDR, mais genre, c'est tous les mois et je ne paye pas. Personne ne fait de cadeaux ou surprise, je ne comprends pas. Ben, d'ailleurs, je pense que si tu regardes la vidéo, je te réponds directement. Je pense que tu as mis l'abonnement qui se fait tout seul, en fait, tous les mois. Qui se réitère, et peut-être que tes parents n'ont pas remarqué sur leur compte bancaire, parce que bon, c'est vrai que par mois, 10 euros sur certains comptes bancaires, il y a des gens qui ne le remarquent pas, hein. Bon, moi je le remarque, hein, tellement que la reste qu'il y a du moins 10 euros sur mon compte dans le mois, je le vois tout de suite, mais c'est une personne qui ne le remarque pas, et peut-être que c'est ça, ou peut-être que tes parents le savent, mais que vu que peut-être que tu leur as pas demandé aussi, qui sait. Et là, on revient ici, c'était la movie star qui m'a distribué 15 ailes, à qui j'ai répondu avec le petit diable. Elle me dit, ça va, 15 ailes? Tu filmes? 15 ailes, tu me fais peur. Non, je filme pas. Je filme pas. J'arrête de gueuler, parce que le pire, c'est qu'il est tard chez moi. Il est 22h, je fais cette vidéo à 22h, et je gueule dans ma chambre, quoi. Oh mon dieu. Et là, alors, que tu me répondes. Oh... Et donc c'était là, rends-lui son compte, t'as pas honte, rends-lui, si c'est un prank, rends-lui, c'est pas sympa, c'est cruel, arrête, rends-lui, fais pas le con, je pense, je crois, je suis pas sûre. Ma quinzaine s'y dit, rends-lui pas drôle, rends-lui méchant. Bon, en tout cas, merci quand même, hein, de... Il y a quand même pas mal de personnes, et encore, je commence à avoir pas mal de messages, là. Je vais juste remplacer que fais-tu, tiens. J'ai marqué, quel joli look. Ha, ha, ha. Ha, ha, je vais mettre ça. Je vais mettre ça, oh mon dieu, mais cette écriture. Franchement, si vous voyez cette vidéo, n'écrivez pas comme ça. Ne mettez pas, n'écrivez pas comme ça. C'est, non, c'est no way, hein, il est pas possible, hein. Vas-y, là, réponds. Oh, attends. Sérieux, arrête, je te promets, ça c'est pas, tu veux un drip sur ton compte principal, en échange, tu lui rends le compte. Vas-y, la réponse. En vrai, j'ai trop envie de lui dire, oui, envoie-moi un drip sur un compte, et si elle le fait, bon, bien sûr, je lui rends, mais je lui en renvoie même deux. Mais, Est-ce qu'on le fait? Attends, je vais peut-être créer un compte rapidement, parce que sinon je suis cramée. Et lui demander d'envoyer sur l'autre compte.
Je sais pas, je réfléchis. Ok, j'écris un compte très rapidement qui s'appelle Never avec les parenthèses en forme de fesses vers l'extérieur, comme Madame Toilette, donc c'est un petit indice pour dire que c'est mon compte, mais d'un autre côté, j'aurais très bien pu être une impostrice et puis copier Madame Toilette. Mais on va voir si elle va me l'envoyer, et merci à Catherine pour la salutation, on est revenu sur mon compte. Enfin, le truc est sur mon compte, donc voilà. Je te fais une salut si tu veux. Oh, Baby Duck, donne ton pseudo, salut. Bah, c'est sur notre compte, c'est pas grave, elle peut l'envoyer quand même, normalement. Et si elle me l'envoie, parce que je vais lui dire que c'est un prank, je vais lui rendre, bien naturellement. Et je lui en redonne un en plus, en bonus. Bon, je sais pas, c'est quand même niveau, elle est niveau 24, mais elle est pas vive, donc ça peut l'aider quand même, je pense. Si elle me l'envoie, je lui renvoie un drip. Sinon, tant pis. Mais ouais, quand même, elle a quand même essayé, tu vois. Elle essaye quand même. On va voir, on va suivre, je te l'offre, après je vais manger, je t'ai demandé en ami. Je te l'offre, après je vais manger, je t'ai demandé en ami. Ah, sur ici, attendez, je vais l'accepter. Je sais pas du tout comment on va finir cette histoire. Mais on va voir, en tout cas, je l'ai accepté. On verra bien. Alors, rends-lui s'il te plaît contre celui-là. Allez, c'est trop gentil. Elle veut carrément donner son compte, si j'ai bien compris, pour que je puisse récupérer mon compte MSP. Oh, c'est trop mignon. J'ai tellement mal au cœur, j'ai envie de dire... Bon, on va lui dire c'est une blague, puisque c'est une blague. Mais merci, Et là, on va vérifier si elle me l'envoie ou pas. On va voir. Pour l'instant, j'ai rien reçu. Après, c'est où les échanges déjà? C'est là-dedans. Je pense pas qu'elle m'enverra en échange. Ça, c'est quoi? Ah, c'est mes trucs à recycler. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, on va aller voir un petit peu les autres messages. Pirache-moi à la place. Oh, elle a rien demandé. C'est la baisse. C'est la reine des citrons. Lui, son compte, elle t'a fait quoi? Pirache-moi à la place. Mais pas, s'il te plaît, pirache-moi à la place. Oh. Oh, c'est trop mignon, je vais lui dire. Elle est trop choupie. Ah, je vais lui dire, c'est une blague, mais j'ai pas le temps. Et, une petite salutation. Alors là, on n'a pas le pseudo qui s'affiche. Le pseudo ne s'affiche pas. Je vais essayer peut-être de le voir dans les derniers messages. Elle m'a peut-être envoyé quelque chose. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ta salutation. Je vais essayer de voir si je trouve un look... Oh, mais c'est elle. Mais sur l'image, elle a pas la même tête. Oh, trop choupie. C'est une blague. J'ai pas le temps en plus de lui répondre. C'est une blague. T'inquiète pas. Oh, regardez, s'il te plaît, pirache-moi la place et tout. Non, mais c'est... Oh, c'est ouf. Laisse-la. Le piratage, c'est le mal. Vous voyez. Bon, t'as fini ta vidéo, c'est la deuxième quand même. Sérieux? L'esprit des diamants, mais comment ça c'est la deuxième? Mais non, c'est pas vrai. Elle sort quand la vidéo? En fait, je t'adore. Bah, je pense probablement demain, donc lundi. Donc aujourd'hui, en fait, au moment où vous regardez cette vidéo, hein, bah demain, en fait. Je dis lundi, mais c'est demain lundi. C'est la première vidéo que je tourne depuis que je suis rentrée, quand même. Hein. Tiens, ça ne sortirait pas dans l'air une future vidéo. Je vois déjà le gros titre, je me fais pirater, ou Madame Toilette m'a piraté, PS on rajoute à la fin, ça tourne mal. Bon, je vais pas être aussi sadique d'aller jusque là, même si je pourrais. Non, je vais quand même, je vais marquer le titre le moins original du monde, et le plus simple, expérience sociale, je me fais pirater. Comme ça, vous voyez déjà d'avance que c'est pas un vrai piratage. Mais bon, je pense qu'on a quand même bien chillé sur la vidéo, j'espère quand même que ça vous aura plu quand même, cette petite expérience sociale. Moi, je trouve ça assez drôle, d'ailleurs. Vous verrez, il y a pas mal Coucouinzel, tu me connais comme proche coucou. Mais en fait, je suis pas censée être quinzelle en fait. Ah, redonne-lui. Je suis son héros à quinzelle, allez, redonne-lui, enfin. Ah oui, carrément le héros de la quinzelle, quoi. Oh mon dieu, oh, je t'ai donné un autographe, merci Mélissou. Ah, je me disais, ouais, cool, Elko, je vais lui faire une salute. Et ben non, donc si c'est pour foutre la merde sur son compte, c'est pas la peine. Elle m'a tué, elle m'a tué.
Tu t'as pas de vie, je vais te frapper. Rends-lui tout de suite, ça t'amuse, hein. Rends-lui, pff. On va faire les petits diables. De toute façon, j'ai bientôt annoncé la fin de cette expérience, parce que ça fait quand même un petit moment que ça dure, mais en fait, il y a plein de messages, j'ai pas encore eu le temps de tous les voir. J'essaie quand même de les survoler et de vous les montrer. Tu fais pitié, ce look idée, t'as aucun goût, tu t'habilles où, meuf? Chez Lidl. Voilà, je m'habille chez Lidl. Quoi? Ah oui, les marques chez... Ah mais non, je vais me faire... Oh, si je me fais bannir pour avoir dit chez Lidl. Voilà. Je vais me faire bannir parce que je vais dire Lidl. Hein. Je vais me faire bannir à cause du mot Lidl. Quinzel, c'est toi. Je veux pas... Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. T'as aucune pitié. Tu n'as aucune pitié, voyons. Et là, on va aller voir les messages plus récents, mais ouais, faut le constater, quand même pas mal de messages. Et au sport, quoi? Si je t'ai spammé. What? J'ai pas compris. Ça, c'est peut-être un ancien message. Et au sport. What? J'ai pas tout compris. Rends-lui son compte! Non, tu vas pas me dire que toi, t'es tombé dans le panneau. Tu crois vraiment que je me fais pirater? Je t'aime pas, sors de son compte. Bon, ça va, là, j'ai compris. Tu veux vraiment l'aide, tu savais? Ah, mon dieu. Quinzel, c'est toi? Jessica? Non, c'est pas moi, la fille, c'est qui esquive, qui répond pas. Cramé. Ok, bon, merci, au revoir. Abonnez-vous à la Quinzel. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la vie de ma mère. Mais what? Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Oh, merci. Tu réponds pas? Où est ton courage? Où est-ce qu'il est? Attends, on a eu... Je te l'offre, après je vais manger. Ah, rends son compte déjà, après je te fais les salutes. Je vais dire... Na... Le drip d'abord et promis, je lui rends. On va essayer de l'influencer un petit peu pour essayer de lui extorquer ce drip. Et promis, je lui rends. Elle verra que c'est grâce à toi qu'elle a récup son compte. Là, si elle me le donne pas après, elle verra que j'ai dit. Elle verra que c'est grâce à toi qu'elle récupère son compte. Ouais, je vais me faire bannir. Je vais me faire bannir pour ce que je viens de dire à Pop Vip. Hein. Je vais me faire bannir pour extorcation de drip. Mais non, je vais lui rendre après si elle me l'envoie, bien sûr, comme je l'ai dit. Même si là, elle est pas chaude à me le donner, là, d'un coup. Elle est pas chaude, hein. Mais en vrai, franchement, je suis super contente par rapport au fait que pour le moment, il y a personne qui m'a demandé à donner le compte. Genre, je sais pas, quelqu'un qui est dans mes amis et qui fait genre, donne-moi le compte, allez, vas-y, partage et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Juste, pourquoi tu lui fais ça? Pourquoi je lui fais ça vite? Faut que je trouve une réponse. Je sais pas, pourquoi un pirateur ferait ça? Parce que je l'aime pas. Voilà. Parce que je l'aime pas. Voilà. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Alors je sais, c'est complètement bateau et complètement. Voilà, hein, c'est pas ouf de dire juste parce que je l'aime pas. Mais on va mettre ça. Là, elle me répond, je te fais une salute et je te donne des rares, mais le drip, je l'ai toujours pas. Dès que je l'aurai, je te le donne, t'inquiète. Ah, bah, je pense que c'est mort pour le drip. Franchement, si avec la phrase de dessus, j'ai pas réussi à l'avoir, là, je pense qu'on ne l'aura pas. On va dire laisse tomber, hein, tout simplement, laisse tomber. Petit update, du coup après lui avoir dit laisse tomber, elle dit pourquoi tu veux quoi à part un drip, du coup j'ai demandé un rare, je me suis dit bon un rare ça passera déjà peut-être mieux, et elle me dit ok je t'envoie, après tu ranges, je l'offre sur quel compte, donc sur le compte que j'avais dit tout à l'heure, le never que j'écris exprès pour cette vidéo d'ailleurs. Elle m'a dit d'accord tu fais un snake, je dis ouais c'est bon un snack, alors que j'écris comme pas possible, ok je te l'envoie, voilà rends lui maintenant, je lui dis ok je vais vérifier, elle me dit d'accord on va aller vérifier et si effectivement elle m'a envoyé le snake, bah déjà on va lui rendre et je vais quand même lui envoyer un drip pour déjà alors merci d'avoir quand même essayé de récupérer le compte, hop on va vérifier. Effectivement, elle m'a bien envoyé un snake, donc déjà je vais lui renvoyer et sans la prévenir, je vais lui renvoyer et je vais envoyer elle m'a dit d'accord, c'est bon, t'as vérifié, donc je vais pas lui répondre, comme ça elle va flipper un petit peu le temps que j'achète un drip et que je lui envoie, donc on va aller dans les thèmes, ce sera plus rapide, donc je vais lui envoyer un drip.
Alors attendez, c'était dans les bubbles, je sais plus. Ça doit être pas loin là, ça doit être pas loin. Je sais plus trop maintenant, ça fait tellement longtemps en fait. Il était. C'était ça, je crois. C'est celui-là ou l'autre? Non, c'était celui-là, je crois. Ouais, donc on va le prendre en couleur classique parce que c'est une valeur sûre. Je vais l'acheter. Mais pourquoi tu le portes? Comment tu veux que je l'envoie si tu le portes? On va remettre un autre haut. On va lui envoyer. Donc je rendrai bien sûr évidemment le snake directement dans la vidéo pour que vous puissiez voir que je ne suis pas une arnaqueuse. Hein, donc je vais faire directement une vidéo. Hein, parce que bon, j'en connais après les gens ils vont me dire oui mais on n'a pas vu dans la vidéo que tu avais rendu le snake espèce de voleuse. Hein, je vous connais. Hein. Faire comme ça. Vous voyez, je bug tellement il a un petit peu de mal. On va faire comme ça. Ah ! Allez là ! Allez là ou change là, je sais pas, mais... Allez ! Allez, Quinzel ! Allez, Quinzel ! Allez, bon, c'est bon. C'est bon, Quinzel, elle a perdu sa patience. Hein, et on va se reconnecter. Bon, elle va pas être contente. Tu paries, il y avait des gens qui m'ont signalé le piratage. Oh ! Imagine, je me suis fait signaler là, je dis bye bye à mon compte. Bonjour, merci, au revoir, c'était la quinzaine, mais la quinzaine elle est plus là. Et ce qu'on va faire, c'est. Regardez, elle porte encore le drip sur elle. Je lui ai demandé de l'enlever. J'espère qu'elle a pas remarqué. Voilà le petit changement. Alors, on va récupérer et on va lui envoyer. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Vas-y, là, je te donne un rare en son compte maintenant. Oui, t'inquiète pas, pop bip. Deux secondes, je t'envoie le drip. Comme ça, je pense que si elle reçoit le drip, elle va comprendre. Ah, quoique, elle va peut-être penser que c'est la pirateuse qui lui envoie le drip. Elle va se dire, oh merde, après 15 ans, elle va croire que je lui ai volé. Mais non, je vais lui dire. Je vais lui envoyer, je vais lui dire directement que c'est la 15 ans. Comme ça, il n'y a pas de. Voilà, bon, le temps que ça charge, on va retourner sur le compte de Never. Et on va renvoyer à Pop Vip. De toute façon, c'est ma seule amie. Regardez, mais même ce compte, il lag maintenant. Ok. Très bien. Pourquoi pas. Ta. Bon, on va revenir ici. On va lui envoyer ça. Voilà. Voilà, c'est cadeau. Je revois un petit drip. Je suis sa gentillesse quand même. Et on va lui dire si ça veut bien. Si ça veut bien, vous voyez comment j'ai du mal. C'est pour ça que moi les cadeaux je les fais sur téléphone. J'ai dit c'était une blague. C'était une blague. Je te rends le snake. Elle va dire c'est vraiment une pas gentille à Quinzel. Bon, on va relancer le compte de Never. Parce que Never elle a complètement lagué. Oh, merci Galo, merci pour la... Pourquoi tu fais ça? Ah, bon, vous voyez, hein, c'est une blague, je rends le snake. On va dire expérience sociale. Et je t'ai envoyé un petit cadeau pour le dédommagement. On va dire le dédommagement moral, hein. Dédommagement. Mais non, c'est... Mais si, accepte-le. Accepte-le. Tu n'as point le choix. On va se reconnecter sur Never. Alors, ne me demandez pas pourquoi je l'ai appelé Never. Je n'ai absolument aucune idée. J'avais d'ailleurs aucune idée au moment. Je n'avais pas prévu de créer un compte pour cette vidéo. Ça m'est venu comme ça. Hein, pourquoi pas? Peut-être la musique de Justin Bieber avec son Never Never. Hein. Et attendez, on va renvoyer en vidéo le snake à Pop Vip. Ce qu'on va lui rendre. Ok, tu vas être au moins niveau 6 ou vite pour pouvoir faire des cadeaux. D'accord. C'est embêtant. Bon, pour l'instant, je lui ai envoyé un snake d'une différente couleur que j'ai. Et merci à Papichou. Merci beaucoup pour la salutation également. C'est trop gentil. Merci. On va essayer de lui renvoyer un snake. Bon, ce sera à différentes couleurs. Bien sûr, je lui renverrai son snake après. Il n'y a pas de problème. Dommage qu'on ne peut pas choisir ici mettre les accessoires.
Bref, je pense que du coup, je vais lui envoyer sa meilleure vidéo, parce que sinon, ça va durer trop méga longtemps, le temps que ça charge, que je trouve un snack, que je lui envoie, etc. Je vais faire ça hors vidéo. Moi, je vais déjà couper la vidéo. De toute façon, pour les gens qui ne me croient pas que je lui ai rendu, bah, vous aurez peut-être qu'à la contacter pour lui demander si effectivement je lui ai rendu ou pas, hein, pour ceux qui n'ont pas la confiance, hein. Enfin, bref, bah, écoutez, moi, je trouve que c'était assez positif, hein, dans l'ensemble. J'ai pas eu une seule personne qui a essayé de me gratter mon compte, quand même. Donc, c'est super gentil. Franchement, ça se voit que vous êtes des gens en or. Bon, même si on va dire que 50% des gens, ils ont compris que c'était cramé, que c'était un prank, que c'était une vidéo. Forcément, je pense aussi c'est le fait que voilà, j'ai une chaîne YouTube qui fait que je suis cramée direct. Mais bon, les autres youtubeurs, ils sont pas cramés aussi vite, j'ai l'impression. Ouais, je regarde d'autres vidéos d'ailleurs pour voir s'ils sont aussi cramés aussi vite que moi ou pas. Tu ne m'as pas dérangé, excuse-moi. Mets ton t-shirt 50k, je peux pas accepter, je te le rends. Mais non, non, garde-le, garde-le. Non, garde-le. Mais garde-le. Oh, trop gentil. Regardez, elle veut me rendre mon t-shirt. Non, non, tu gardes, c'est cadeau. Et bah écoutez, moi j'ai coupé là cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous avez d'autres idées. Si vous voulez que je continue de temps en temps à faire des petites expériences sociales pour changer un petit peu des vidéos habituelles de MSP que je fais sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si vous avez des idées d'expériences sociales dans le cas où vous seriez majoritaire et que ça vous plaît, n'hésitez pas à donner vos idées dans les commentaires. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.